Et voici le moment arrivé de vous annoncer qui est le lauréat du choix Goncourt Chine 2023. Celui-ci est attribué à Jean-Baptiste Andrea pour « Veiller sur elle » qui est paru chez l'Iconoclaste. Effectivement, le choix Goncourt Chine est né à Wuhan grâce aux professeurs des universités de Wuhan, grâce aux étudiants des universités de Wuhan, et parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, Wuhan est une grande ville à la fois universitaire, étudiante, francophile, francophone. Et que donc elle constituait véritablement le terreau parfait pour créer en Chine le choix Goncourt. 第一次可能就是评审，然后这次是以学生代表身份去参奖。我觉得喜欢法国文学就一定要关注库库尔文学奖。想要去了解法国文学、法国文化、法国人、法国，也是要关注这个奖，因为它毕竟是每年最新的作品，所以它会描写很多法国当前正在发生的事情。 Les grands pays de culture ont une grande littérature. La France a une grande littérature. La Chine a évidemment une grande littérature. Et par l'intermédiaire de la littérature, on crée des rapprochements, on crée des ponts. Et on permet, encore une fois, au peuple, aux gens de mieux se connaître et de mieux s'apprécier.